Le couple Mauro Icardi, Juan Damara n'arrête décidément pas de faire parler de lui. Entre rumeurs de séparation, de réconciliation, de divorce, de scandale. On ne sait plus où donner de la tête. Pourtant, l'attaquant du Paris Saint-Germain semble une bonne fois pour toutes investi dans sa relation avec la présentatrice influenceuse argentine. Retour sur le dernier épisode de cette saga qui semble interminable. Tout a démarré au milieu de l'été, lorsque le club du PSG a décidé de mettre son attaquant en vente. À partir de ce moment-là, Mauro Icardi a été placé sur la liste des indésirables des champions de France en titre, déterminant qu'avec Kylian Mbappé, Neymar, Messi et compagnie, ils avaient de quoi faire sur le front de leur attaque. Mais Icardi a tout de même été appelé pour jouer les matchs de début de saison de Paris. Sauf que lors du déplacement à Clermont pour le premier match de championnat, Mauro Icardi a posté une story dans un avion en direction d'Ibiza. Mauro Icardi, arrêtez d'inventer de la merde. À ses côtés, Juan Damara apparaissait tout sourire. Ce qui a provoqué une vague de contestation de la part des fans du Paris Saint-Germain, ne comprenant pas ce que faisait Icardi dans cet avion plutôt qu'à bord de la pelouse pour encourager son club. Des critiques que Mauro Icardi n'a pas laissé passer. Si je voyage aujourd'hui à Ibiza avec ma famille, si est-ce parce que dans mon travail, on nous donne des jours de repos dont chacun profite comme il le souhaite et avec qui il veut, en choisissant son propre destin, a écrit le joueur dans une story Instagram. Mais cela n'a apparemment pas convaincu. Icardi a donc dû en rajouter une couche, en s'énervant, arrêtez d'inventer de la merde, la décision de ne pas me convoquer était simplement technique. Je ne m'absentais pas en raison d'un quelconque problème personnel, je n'aimais pas, et je respecte chaque entraînement. Le football continue d'être ma priorité et mon travail, celui pour lequel on me paie. Je ne vais pas tolérer que des gens incompétents et mal intentionnés cherchent à me salir. Ne perdez pas votre temps et avant d'écrire en vous cachant derrière un filtre ou un journal, renseignez-vous sur la réalité. Cela a au moins le mérite d'être clair.